Le premier temple que nous rencontrerons est le temple de Lakshmi. Je m'appelle Panchayatan. Pan, ça veut dire 5 ans sur la plateforme. Et Ayatana, ça veut dire la plateforme ou carré. Hein? Donc, toutes les 5 temples, ça représente 5 éléments. Regarde les Français n'ont rien inventé. C'est en bas, en plus. Oh là là, en effet. Hein? C'est abîmé. Regardez, c'est abîmé, hein. C'est dommage. Enfin, on devine quand même. Oh, regarde le désir, là, c'est beau ça. Oui. Oh là là, regarde ça. On a déjà vu un VG en nez. Avec le nez, avec le nez, oui. Esquimau. Oh, avec les expressions. Oui, oui. Il y a des goussons, l'antilope, l'ophilie, regardez. Oh, mais bien, encore une fois, avec là. Poney. Il y a des musiciens, danseurs. Regardez entre les éléphants. Regardez le mouvement, hein, c'est joli. Peut-être que je peux éviter de frapper. Ah, c'est bon. Ça, c'est intéressant. Hein, c'est la courte royale, mesdames. Hein, ici, vous avez un chef de l'armée. Regardez la femme, la petite femme, comment elle m'entaille. Hein, elle est gentille. Et toutes les ministres, les secrétaires sont là, hein, les musiciens, danseuses. Et la barbe, vous avez vu là, et la barbe. Oui, ça donne. Hein, c'est fantastique. Hein. On a une bonne lumière, monsieur. Ah oui, maintenant. Juste en face là, vous avez un autre temple, il s'appelle Kandarya Mahadeva. Kandra, ça veut dire grotte, et Mahadeva, c'est grand dieu Shiva. Donc regardez bien ce bâtiment, l'architecture de temple, ça monte vers le ciel, et l'entrée c'est tout petit. Donc ça donne une impression comme une grotte dans les montagnes. L'entrée c'est bien décoré avec un arc, hein, MacArthurian. Un arc elle s'appelle MacArthurian crocodile pour purifier les gens qui rentrent à l'intérieur dans les temples pour faire le rituel religieux. Ça représente toutes les 5 temples, 5 éléments, madame. Éléments. Et il y a 4 parties de temples, regardez bien. Hein? Ça représente 4 étapes de la vie. Et autour du temple, ça représente comme un butée extérieur de temple. Parce que le temple est considéré comme un microcosme des humains. 5 temples, 5 éléments. 4 parties.
prier. Oui, tout à fait. Et dans sa partie, vous avez un pot. Alors ça c'est une erreur de l'artiste, ça, non? Non, c'est virtuellement, ça fait bien mal. Non, la première scène, voilà. Vous avez vu? Voilà. Haute l'eau. Ah, c'est là, ça y est. C'est beau, justement. Et ici, c'est battu. Là, il n'y a pas de doute, la femme ne peut pas dire qu'elle se fait violer. Hein. On voit qu'elle participe hein, à l'expression, hein, c'est vraiment. Je vais prendre l'ensemble parce que vous savez raison. Elle a raison qu'elle avait posé un scorpion. C'est pourquoi, Charles. C'est pourquoi. She's not a little Scorpion. Buffy aussi, il y a une sorte de bracelet qui l'entoure le chignon avec le collier qui est tenu par l'encolin du bijou qui reste accroché sur le dos. Vous l'avez vu, elle est très belle, hein, d'ici. Le profil. Si vous vous rendez à Cajurao, n'hésitez pas à passer 2 jours et de commencer votre visite de bonne heure le matin jusqu'au coucher du soleil. Vous aurez des effets importants de lumière. Même les éléphants peuvent monter sur les toits. Le temple de Surya, le temple du soleil. C'est toujours au fond des temples, dans la dernière salle,
que vous découvrirez les divinités. C'est un des temples où certainement les musulmans ont cassé toutes les têtes. Bien, je vais faire. Comment tu veux qu'on fasse le tour? Ces femmes indiennes ont toujours une certaine présence, habillées avec leur sari. Ah oui. Jivarangi Temple. C'est extraordinaire de voir ce lion qui cherche à protéger cet enfant. L'on peut dire qu'ici, les visiteurs indiens sont les plus nombreux. Ça n'est pas une surprise. Hommes, femmes et de tous les âges. Nous sommes le 4 janvier. Il ne fait pas très chaud quand même. Ici, jusqu'à 85 temples furent construits, mais à ce jour, il en reste 22. Et c'est extraordinaire de les découvrir.